bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de ces aventures sur Symphony of War. On est toujours en live et j'étais sur le point d'expliquer à Broodhoff comment marchait le nécromancien. Donc en fait le nécromancien c'est une classe du DLC. En gros on peut en mettre plusieurs dans chaque escouade, mais je pense que le concept est plutôt de construire une escouade autour de lui. En gros quand il y a un nécromancien dans l'escouade, à chaque début de tour, s'il a 0 mort-vivant dans son escouade, il va en invoquer un. Donc s'il y a plusieurs nécromanciens, ils peuvent invoquer plusieurs morts-vivants. Et en plus du moral, sur la jauge de moral là, pendant les combats, il y a une jauge d'essence de mort qui va monter à chaque fois qu'on fait des dégâts à des ennemis, et encore plus vite si on tue des ennemis. Et en fait, quand il y a un nécromancien dans une escouade de mort-vivant, parce qu'il n'est pas obligé d'avoir un nécromancien dans une escouade de mort-vivant, mais quand il y a un nécromancien dans l'escouade de mort-vivant, la jauge va plus vite, et en fait à chaque fois que la jauge est pleine, on peut ressusciter un mort-vivant. Donc il n'y a pas vraiment de limite d'escouade, en tout cas pas directement dans les maps. On peut potentiellement a priori avoir plus de morts-vivants que la limite d'escouade si on évite qu'ils meurent. Mais l'objectif effectivement est d'avoir un nécro qui va invoquer des gens et réparer les morts-vivants sont plus faibles que les unités de base, hein, toujours pareil, hein, c'est des squelettes, en tout cas les squelettes de base. Mais on peut les réinvoquer au fur et à mesure de la bataille, ce qui est assez sympathique. Alors, on est pété de thunes. Combien d'escouades on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pile 10. Non. Non, pas du tout. Non, on en a 13. Oh là, le signe de couleur sombre. Eh ben écoute, ça va très bien, Kars. J'espère que toi aussi. Tant bien, on joue à un jeu où il n'y a pas trop de maths. Tiens. T'arrives pile poil. Là, j'avais quelqu'un que je voulais renommer. Hop, ce sera Kars. Kars, le Behemoth. Behemoth de combat. Alors, est-ce que tu peux changer de classe, Kars, toi? Oui, là, t'es un félin de guerre. Tu peux devenir un Behemoth. Quand t'auras 62 force et 62 vitesse. Ah oui, la vache. Il y a encore du taf, hein. J'ai un doute, les lignes. Comment c'est? Effet d'état, voilà. Rangée. Colonne, ok. Alors, du coup, John, t'as peut-être pas entendu. Si tu t'étais absenté, j'ai deux choix à te proposer pour te renommer en cavalier. Exactement, 15. Tu fais pas de maths, voilà. Tu seras un félin de combat. En gros, il nous reste une Valkyrie ici. Donc c'est une dame, mais c'est une unité d'élite qui est là pour charger, défendre et qui peut soigner comme les soigneurs. Donc vraiment l'unité d'élite de cavalerie. Ou alors, si tu veux vraiment, si tu veux pas une demoiselle, il y a de la place dans l'unité de Barabbas. Donc il y a du cavalier standard, hein. Mais par contre c'est une unité de quête, donc je la déploierai peut-être un petit peu moins. Donc c'est toi qui me dis. En attendant, a priori, on n'a personne qui peut monter de niveau, on est bien pété de thunes. Est-ce qu'on peut pas mettre des gens... Là on a 44 sur 51, non c'est pas assez... Ici on a 10, ouais mais avec tous les... Ouais non, ça coûte trop cher de mettre quelqu'un là, si on veut ajouter une unité... Non ouais, c'est 12. Donc on peut pas... Ici 50 sur 62... Ah, dans le squad de Diana on pourrait mettre une personne de plus. On pourrait mettre une petite soigneuse supplémentaire si on voulait. Pourquoi pas... Tu prendras la Valkyrie, parfait. Là on est à 43 sur 52, 50 sur 59, 51 sur 59, 44 sur 50... Ok, on n'a pas d'autre place. Alors la Valkyrie, je l'ai passée. Non, je l'ai pas passée. Hop là. Utiliser le parchemin de renommage. Alors, John... Ah zut, je peux pas mettre d'espace. Ah si, bah pourquoi tu... Tout à fait. John Peace. 14. Voilà. Du coup...
coup, parmi tout ce qu'on a trouvé, augmenter la statistique de meneur. Bah tiens, alors quoi sur toi? On va le faire sur... Il faut le faire sur le... Chef d'escouade, Baradzev, une petite médaille du courage. Voilà. On a trouvé cœur d'assassin. Qu'est-ce que ça fait? Dégâts critiques augmentés de 50%. Ouh, pas mal. Et précision, les coups critiques ignorent 100% de l'armure de la cible. Ok, donc ces deux-là, ils sont hyper forts. Ensemble, c'est bien quelque chose qu'on pourrait mettre sur un assassin. Il faut quoi pour les monter de niveau, les assassins? 45 et 2, faire comme ça, d'accord. Les voleurs. Alors toi, ton unité, elle me plaît pas, Narima. Hein. Avec les mecs devant, là, ça sert à rien. Mais t'es pleine, donc on peut pas trop ajuster. Par contre, est-ce qu'on peut pas mettre des archers un peu plus avancés? Non. Ils sont pas renommés, donc c'est pas le... ça vaut pas le coup. C'est une sorte de Fire Emblem, il y a un peu de ça, ouais. Tout à fait, Karz. Il y a des différences, notamment là, dans une gestion entre les missions avec un arme technologique, avec moyen de vraiment gérer les escouades beaucoup plus finement, je trouve, que dans Fire Emblem. Mais il y a clairement un côté Fire Emblem. Ouais. Kaiser, t'as déjà plein de... Tu dois être déjà bien... Bien équipé, toi, statut. Non comital. L'unité commence à apprécier votre cause. Ah, t'étais mercenaire et t'es devenu non comital. Donc tu coûtes plus que 1 de capacité. Intéressant. Ok, ça c'est cool. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Toi, t'as combien de traits? T'en as qu'un seul. Alors est-ce que je peux trouver quelqu'un? Ferdinand. Ferdinand, on peut te mettre deux traits. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un à un autre endroit là? Le truc d'assassin, tu peux pas l'apprendre. Bah en fait, si, tu pourrais. Mais je cherche un personnage où on pourrait mettre les deux en fait. Parce que c'est vrai que tu mets les coups critiques qui ignorent 100% de l'armure de la cible, plus le fait que les dégâts critiques sont augmentés de 50%. Et là, t'as un mec, quand il fait un critique, il te rase un perso quoi. Mais je peux te mettre le cœur d'assassin si tu veux, c'est ton dernier trait. T'as la vengeance déjà. Et ça, peut-être que ça va disparaître, hein. Peut-être que ça va te débloquer une place. Parce qu'avant t'étais mercenaire, donc tu coûtais plus 2 tant que t'étais pas chef d'équipe, donc là bon, tu penses, si t'étais chef d'équipe, donc ça coûtait, ça changeait rien. Mais maintenant que t'es suffisamment loyal, tu coûtes plus que plus 1. Donc il y a peut-être moyen qu'à un moment tu coûtes plus rien et que ce trait-là disparaisse. Donc je peux te mettre ça si tu veux. Allez, c'est parti. On va le mettre ici. Kaiser avec la vengeance et le cœur d'assassin. Et un petit peu de précision, on va mettre ça quand même, je pense, sur genre un Stéphane là. Toi, t'as déjà t'as quoi? Fourberie, attaque furtive, chasseur de trésors. On a quoi sur le signe? Il y a des capacités le signe? Il a rien le signe. On a 34 de comp, c'est pas ouf hein. On va peut-être rien utiliser pour le moment. On va aller faire un tour au marché. Alors, on a un équipement d'éclaireur, 2 de comp, ok. Un espadon, affinité d'eau, atout vengeance, du fer. On a pas mal du fer. La guérison perfectionnée, effet des soins augmentés de 50%. Oh, c'est bien ça. Les coups critiques restaurent une petite quantité de PV. Oh, puis il y a le rôti de bœuf. Le rôti de bœuf de puissance. Alors toi, John, du coup, tu es dans l'escouade de Bradzef. T'es chargé de surveiller les arrières de l'escouade de Bradzef. Qui est de la cavalerie légère, du coup, qui est là pour harceler avec, avec leurs arcs. D'ailleurs, Galios, il faut quoi pour que tu montes de niveau, là?
45 de force. Ouais, t'y es pas encore, hein. 42 de vitesse, mais bon, ça arrivera jamais, ça. L'eau. De l'eau. Est-ce que l'eau, ça me paraît un peu léger pour monter de la force, l'eau. Tactique, c'est où déjà? Affinité, voilà. L'eau, c'est de la vie et moins de force. Oui, donc nous, en Galios, on va te changer ça. Il nous faudrait quoi? Ils ont vraiment de la force, des ténèbres ou du feu ou éventuellement de la foudre. Du feu, ce serait pas mal. Est-ce qu'on a ça? Non, c'est pas là. Galios. Affinité feu, parfait, tiens. Allez hop. Donc tu vas perdre en magie, mais on s'en branle un peu. Tu vas monter en force et en comp. C'est parti. Ah, tu t'es pris le jeu avec le DLC Légende, Kaiser, et bah écoute, profite bien. Profite bien, franchement, il est vraiment pas mal. Hein. J'avais pas eu l'occasion de vraiment y jouer quand il était sorti, les premières vidéos que j'avais fait dessus il y a un an. Mais franchement, il est hyper plaisant, je trouve. Il s'est bien bonifié, comme on dit. L'escouade de Kaiser. On n'a pas des petits objets à utiliser. Un petit peu de guérison perfectionnée là pour Victoria. Hop là. Faucheur de l'assassin, c'est pas très pertinent. Ah, dans le général Bison, on a Esmo 6 là qui peut avoir, je pense. Ah non, il est déjà blindé à mort, Esmo 6, il a bourreau. Lui aussi, il commence à être moins mercenaire. Est-ce que c'est le cas aussi du général Bison? Non, pas encore. Pas encore, pas encore. On pourrait peut-être mettre ce genre d'objet sur les archers, hein. Genre Bigadin là. Bigadin, on pourrait mettre une petite précision. Il y a déjà un bonus contre les armures. On va plutôt le mettre sur un archer. Sur Canton. Canton, il a désarmement. Allez. Canton, il va désarmer et être précis. Voilà. Et on va aller augmenter. On va augmenter la force. On va finir du buff à Karz. Un petit rôti de buff de puissance, Karz. Voilà. Et les coups critiques restaurent des PV. Il n'y a pas de soigneur dans cette équipe, hein. Ouais, il n'y a pas de soigneur. Stéphanie, on t'a mis des trucs. T'as la volonté. Ouais, donc ça vaut pas le coup de te soigner. Donc, Karz, on va te mettre le faucheur de l'assassin. Hop là, voilà. Tu es un félin de guerre de qualité, Karz. On trinque au signe pour John. Merci John. Ok, on est pas mal. On pourrait faire une nouvelle escouade. Hein. On pourrait faire une nouvelle escouade. Est-ce qu'on ferait pas une escouade autour de Broodav du coup? Je pense que ça se prendrait. Broodinette. Alors Broodinette, on va te renommer en Broodav puisque visiblement l'oracle est plutôt un homme. On va faire une nouvelle escouade autour de Broodinette. On a plein de thunes, donc autant pas s'emmerder. Stéphanie de Monaco, alors tu veux savoir si j'ai déjà écouté Stéphanie de Monaco dans ma vie? L'autopsie du signe qui permet de poser une question. Et je dois y répondre. Alors, un truc pas abusé, bien sûr. Ah, c'est un mislic. Eh bah écoute, tu as le droit de me poser une question sur moi qui t'intéresserait. Quelque chose que tu aimerais savoir. Tac tac tac. Tu voulais renommer un perso peut-être, John? C'est peut-être ça que tu voulais faire. On va te mettre une affinité de ténèbres du coup, Broodaf. Alors tu perds un peu en meneur. C'est pas grave. Tu deviendras un mage noir. Alors qu'est-ce qu'on peut te mettre? Déjà on va te mettre Marion pour te défendre. Des archers. Est-ce pertinent des archers? Je peux rembourser. Ah, est-ce que je peux rembourser? Comment je fais pour rembourser?
Je n'ai jamais fait ça. Voilà, attends, parce que mon mini plugin là, il est en galère. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, offrir un abonnement, chuchoter. Les badges. Non, c'est pas ça. Tu peux te bannir, c'est pas très pertinent. Tu peux te bannir ou te bannir temporairement, très intéressant tout ça. Je peux voir les messages et commentaires de modérateurs sur toi. Non, c'est complètement pas. C'est pas du tout ce que je veux faire. Ben je sais pas comment je peux faire pour te redonner des points, donc je chercherai en off, je te rendrai ça, jeune. Doit être planqué dans une interface de modération, je ne sais pas où. Parce que là, dans mon truc de chat, j'ai que des choses pour te modérer en tant que personne suspicieuse, quoi. Ce n'est pas très très pertinent dans ton cas. Ah, et pour rembourser, il faut qu'elle soit sub tier 3. Ah, c'est abusé ça. Bah, si c'est le cas, du coup, je pourrais pas le faire. Mais c'est un peu abusé. Bon bah du coup, garde dans un coin, John, s'il y a une question qui te vient, au pire. Alors, on va aller t'acheter des gens, Broudaf. Je pense qu'on pourrait te mettre. T'es chanceux, on a Bernier qui est chanceux là. Certaines personnes ont juste de la chance. Ok. Ouh, l'orgueil du guerrier. On pourrait te mettre ça, tiens. Bon, il sera mercenaire, donc il coûte un peu cher à placer, mais. On va te mettre un mec comme ça, on va te prendre une soigneuse. On n'en avait pas une soigneuse en trop. Je crois que je l'avais mise. Ouais, je l'ai mise avec Diana, la soigneuse en trop. On va la récupérer. Teresa, hop, viens là, Teresa. Et du coup. Les squats de Broudaf, on ajoute Teresa. On va mettre Otto. Ah, Otto il est trop cher, zut, on est déjà au max là. Donc il faudrait qu'on enlève Teresa. Enlever Teresa. On est sur une petite escouade. On va mettre Otto du coup. Voilà. Gestion de récompense des points de chaîne. Ah oui, donc ça va être vraiment dans l'interface Twitch. Bah, je te rembourserai ça après le live, John, ça te dérange pas. En plus, John, il a le badge, hein. Il a déjà donné des tirs. C'est un gentil. Faut pas être vilain comme ça, 15. Bah, du coup, Teresa, tu retournes là. Et il nous faut, du coup, quelqu'un pour mettre dans l'escouade de Le Cygne. Est-ce que je prends un autre apprenti? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les apprentis dans leur vie? Les apprentis, ils peuvent devenir mages de plein de types différents. Ah, c'est cool. Faut juste 45 de magie. Et ils peuvent devenir oracles si on veut les transformer en mages noirs aussi. C'est moins cher d'ailleurs. Bon, on va aller chercher un deuxième apprenti du coup. Non, c'est pas là, c'est là. Percival. Attends, celui qui était après, il était ténèbres là. Ah bah, on va le prendre lui du coup, ouais, carrément. On veut un mec des ténèbres. Eh bah, merci John et Cars pour les bits. 100 bits, merci beaucoup John. Et 1 bit, merci beaucoup Cars. Et oui, Cars, tu as le badge. Et John, il a un badge encore plus gros que toi, t'as vu? Et ouais. Même pas d'ailleurs, t'es leader en bits. Hein. T'es leader en bits. Donc non, en fait, t'avais déjà un badge, on dirait 15. Est-ce que t'as dû donner un prime un jour, je pense? Cars est actuellement numéro 2 des donateurs. Et merci, Cars!
sais pourquoi t'avais pas le badge de donateur de tier 1 du coup, si t'es le leader. Enfin, deuxième leader, bizarre. Allez, mettons dans les squads de le signe. Toc. Alors il nous faut celui qui est ténèbre, voilà. Folk. Merci Chobiti pour la boisson. Quelle boisson pour moi? Celle que je veux, bah je pense à là. Et on va faire un petit tour. Ici on a une place pour mettre un truc à 10, mais normalement. Ouais, ça coûte 12 grâce à nos armes. Ici ça va coûter, je pense aussi. Ouais, plus 2. Ah, tu dois choisir les badges que tu affiches, d'accord, oui, donc ils ont tout viré et toi de choisir quoi. Brodaf, on va pouvoir te mettre des petits artefacts peut-être. Est-ce qu'on a des choses disponibles? On a une bague en rubis. Qu'est-ce que ça fait de beau? Ah, mais on peut pas parce qu'on. Ça coûte trop cher. Le livre des sorts de grand maître. Je peux pas non plus. Bon, en vrai, ce qu'il faudrait, c'est qu'on enlève auto. Coucou le chat, coucou Kaz. Je sais pas si vous avez entendu Chobiti dire bonjour du coup. On va mettre Perceval ici. Et du coup, on va pouvoir te mettre un petit objet, je pense. Alors, la bague de rubis, ça donne de la force en fait, donc ça ne sert à rien. Mais on pourra donner le livre de sort de grand maître. Donc, on va déplacer Brodaf là, Perceval ici, voilà. On les déplace pour que Marion les défende. Et on va renommer Perceval en Ardarin. Je sais qu'il est en train de faire son live. Mais comme ça, il sera avec Brodaf. Et on va le laisser en terre. Terre, hein, c'est peut-être pas idéal pour un mage terre. Hein. Terre, plus de vie, moins de vitesse. Oh, c'est pas si mal. Il n'y a pas de boost de magie, mais au moins il n'y a pas de malus. Sinon j'ai de la foudre du dispo. La lumière c'est pas vraiment très intéressant. Sinon c'est les ténèbres, c'est l'idéal, mais. Les ténèbres ils perdent en loyauté et tout donc. Et merci beaucoup d'être passé Karz. Bon courage pour prendre soin du Pichoun. Bon, ça fait 22 minutes qu'on papote et qu'on gère. On n'a pas d'arène à faire. On a débloqué la légende de Barrektor. Ah, on peut avoir des infos sur Rasjukuja. C'est parti. La bise à Chobiti. Elle dit merci. Donc ça, petite mission bonus du DLC. Dans les eaux dangereuses du grand océan Herald, au large de la côte ouest du continent Sandraka. Donc dans ce coin-là, quoi. Une petite flotte agile de corsaires s'approche d'un grand vaisseau qui gît dans l'eau, entouré par un escadron de cuirassés brise-vagues. Un petit groupe de mercenaires monte à bord du vaisseau. Oula, bordel. Parmi eux se trouve Rasjukuja, un guerrier accompli venant des terres lointaines de Barrektok en Sinara. Rasjukuja est le chef d'une bande de maraudeurs venus piller ce qui semble être un prix étincelant d'une valeur incommensurable sur le marché noir. Sans plus de cérémonie, le guerrier s'aventure dans le vaisseau lourdement défendu afin de réclamer le butin pour son employeur qui lui a promis une raison de roi en récompense. Donc le bateau s'est fait attaquer par des pirates et nous on se pointe et on vient essayer de piquer le truc. Nous allons nous rendre dans la cale. Le maître a dit que le navire appartient à des marchands Varanaï. L'homme avec l'argent a bien fait de recruter des gardes du corps puissants. Tu fais pas le chat ? Non, je fais pas le chat, non. Une fois nous séparés en trois armées, Rasjukuja mènera le groupe nord. Il nous fera des braves guerriers pour les groupes ouest et sud. J'ai un peu pris là avec ton truc froid là. Bah, t'as qu'à pas le boire. J'ai qu'à pas le boire, exactement. Putain, y'a du monde hein, ça va être tendu hein. Y'a des pics à enlever et tout. Les humains pensent qu'ils peuvent tromper Rasjukuja avec leurs petites énigmes. Le bouton bleu fait disparaître les pics, c'est simple non? Allons trouver des trésors qui dépassent nos rêves. Alors regardons un peu, ils sont niveau 12.
Là, on a des mecs, des centurions. C'est possible qu'on soit de nouveau un petit peu faible pour ce niveau. Hein. Alors ici, il y a un bouton jaune, ici, il y a un bouton vert. Là, on a accès à un bouton bleu. Ici, on se déplace, on va pouvoir aller là, en gros. Et après, on est baisé. Ici, on débloque le bleu, on va pouvoir aller chercher le bouton rouge qui va nous ouvrir là. D'accord, ok, ça va être full clos. Alors ici, on peut arriver dans l'ordo. Mais c'est globalement du lancier et du tireur. Donc les tireurs, on pourrait se les faire avec la cavalerie, par contre, les lanciers vont nous piquer les fesses. Ici, on a un dragon d'argent. Waouh, un vrai dragon. Waouh, la violence. Et salut Bigref, bienvenue sur le live et bienvenue sur le chat. Ça fait bien plaisir de te voir ici. J'espère que ça va bien. Ok, alors ça va être la violence. Hein. Je suis pas sûr qu'on ait le niveau. On va tenter de se la faire quand même. Donc, sur ce front, on va emmener Abigail pour aller s'occuper de ça assez rapidement. Il va falloir qu'on ait des gens un petit peu lourds pour s'occuper de ça. Donc je pense qu'on va prendre Diana. Et on va prendre Bradzev pour aller un petit peu taper. Ici, il faut qu'on s'occupe de tireur en priorité. Donc ça va être le rôle de Barnabas. On va prendre le signe. Brudaf, il est un petit peu trop piou-piou pour cette mission, je pense. Hein. Même Santos l'amuse, on va la prendre, mais à mon avis, elle va être un peu short. Et on va prendre, sur ce flanc, on va prendre Jules. Et on va prendre Kaiser. Ouais. Les petites chaleurs, bah ça va, si t'as que des petites chaleurs, c'est large. Allez, c'est parti. Alors, eux déjà, ils peuvent attaquer assez loin. En plus, il y a un arbalétrier dedans. Ok, c'est pour ça qu'il peut attaquer aussi loin. Donc ça veut dire que dès qu'on va aller taper là-dessus, on va se faire prendre pour cible. Donc on va se contenter probablement d'un tir, mais lui peut venir nous chercher. Hein. Ouais, lui peut venir nous chercher avec son tireur. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille au contact. Avec Abigail, elle peut venir au contact. Abigail, elle peut venir au contact, je pense. Donc on va les affaiblir hein, là. On va essayer de faire tomber le meneur. Si j'y crois pas trop, ils sont un peu trop énervés les mecs. Bon, on a tué la soigneuse, ça c'est un très bon point. On peut reculer, ah c'est vrai qu'on peut reculer, on va reculer du coup. Donc on n'est pas forcément obligé d'aller les titiller. On peut aller tanker là avec Diana. Laisser Abigail tranquille derrière. Ici on va charger les fusiliers avec la cave. De choc, en plus on a nos deux attaques. Ils font mal eux. Bah ouais, tu nos cheval, terrible. Au cheval. Malin. Et on peut progresser. On peut progresser. On va progresser par là. Là c'est du tireur et du mage. On pourrait le gérer avec Barnabas et on va débloquer le rouge là-bas. Par contre vous, on peut pas tirer à travers les pics. Ok, mais il faut que vous progressiez par là-bas. Voilà. Donc sur ce flanc c'est fait. Ici du coup il faut aller éliminer lui. Je m'en ai scripté pour l'atteindre. Donc allons-y. On va viser le meneur. Non, ils sont pas nombreux, on va faire une attaque normale. Waouh la vache, ils touchent à l'arrière eux. Ah ouais, ça va être violent. Ok, du coup c'est parti pour un tir. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Je pensais pas que les centurions traversaient en fait. Il reste 2 PV au mec. Bah ouais, il reste 2 PV. C'est comme ça. On va peut-être perdre assez vite parce que lui, faut pas qu'il meure.
Et là, il va clairement se faire attaquer. Il faudra qu'on revienne ici une fois qu'on aura enlevé les piques vertes. Ah ouais, la vache, c'est la violence, hein, le truc qui traverse là. Waouh, quoi. Il nous faut des gens comme ça. Alors, il va bien attaquer en bas là. Ouais, il va attaquer. D'accord. Moi aussi, je peux faire des attaques de zone. Oh, le fumier! Le coup critique. Alors, on active le bouton rouge. Bleu, pardon. Ah, et on peut se déplacer après, ça c'est cool. Du coup, ici, on a un petit peu mangé chaud, hein. On a perdu notre soigneuse. Stay strong, everyone. Je vais faire guérir avec Jules, tout à fait. Mais du coup, j'aurais pu le faire avec Kaiser, mais je pouvais pas me déplacer après. Donc je pense qu'on va quand même laisser Kaiser devant. On va faire une petite guérison avec Jules. Le problème, c'est qu'on peut pas ressusciter la soigneuse. Hein. On va soigner le mec à l'arrière pour le moment. Là, l'avantage, c'est qu'on va se prendre qu'une seule attaque, parce qu'ils ont pas de tireur. Et donc maintenant on a ouvert les bleus, on peut aller chercher par là-bas le dragon, il peut aller jusqu'où le dragon? Il peut pas bouger le dragon. Donc on peut se le faire à l'archer cadeau quoi. Pourquoi pas. Donc ça en fait je pensais que c'était des tireurs, mais c'est pas des tireurs, c'est des sentinelles. Putain, c'est abusé le fait qu'ils traversent quoi. Il faudrait qu'on les attire un petit peu, donc on va attirer un peu avec elle, même si elle va manger, je pense. On va prendre les soins du coup. Ah, t'as deux soins, ouais, parce que t'as deux soigneuses, très bien. Et Abigail, elle va se préparer. Elle va échanger, non, elle va attendre. Donc là, on va en attirer un normalement. Enfin, peut-être tous, mais il n'y en a qu'un seul qui va pouvoir attaquer. Ici, on va se préparer à leur sauter dessus. Ah, je vais vérifier, non, c'est bon. On va se préparer à leur sauter dessus quand quand les rouges vont s'en aller. Là, pareil. Hop, alors je sais pas si Karz va tenir face à des arbalétriers. Hein, mais... On va voir. Donc là, normalement, le dragon vient pas nous chercher. Par contre, ici, il vient. Ok. Allez, Kaiser! C'est mou ça. Ouh la vache. Ça c'est pas cool. C'est pas cool du tout ça. Ah oui, ils font mal. Ouais. Eux c'est pareil, hein, ils vont traverser là. Et ils ont des grosses armures. Globalement on débloque les missions de légende relativement tôt. Mais les mecs en face, ils sont très forts. Hein. Trop tôt, je pense, pour qu'on soit capable de les faire en vrai. Est-ce qu'ils viennent les autres? Non, ils viennent pas. Ok. Alors là, par contre, on va se prendre la saucée si on y va. C'est-à-dire que là, on peut se dire. On n'a pas d'objectif de tour. Hein. Ouais, 16 tours, hein, ça va. On va les faire se rendre déjà, voilà. Ah, ils peuvent pas se rendre. D'accord. Parce que c'est le leader qui reste, bah du coup on va te défoncer les fesses, hein, qu'est-ce que je te dise moi. Si tu veux pas te rendre, voilà hein. Merci, au revoir. Prends du soin comme ça. Deux soins gratuits. Et toi, je suis pas sereine de te mettre devant. Hein. Non. I can do this. On va probablement guérir juste. Et ici, on va affaiblir un petit peu là. Il y a quand même du monde. Ah, ils se soignent les dragons argent. Ah non, il y a une soigneuse au milieu, j'avais pas vu. À l'arrière. Ok. Ça va être un peu long, il va peut-être falloir qu'on emmène du monde aider. Ici on est coincé, oui surtout qu'on est vraiment coincé là, il faut vraiment qu'on le fasse tomber pour progresser.
Alors là, j'aimerais bien mettre un coup de tir, mais il y a lui qui est sur le chemin. Tu peux pas attaquer de là où t'es. Non, on se pousse. Allez, là, on fait un petit viser le meneur pour avoir les bonus de toucher. Ok, ça affaiblit bien. C'est pas des unités lourdes ici. Ils se rendront pas. On va refaire un viser le meneur aussi pour avoir les bonus de toucher. On esquive pas trop et eux par contre ils ont la possibilité d'esquiver. Ok, la scène à reddition. Ce qui veut dire que lui va venir nous chercher. Très bien. Le bouton vert il est où? Il est là. Ok, il faut enlever le bouton jaune avant. De toute façon il faut tous les boutons si on veut aller là. Hein. Donc on aura tout intérêt à laisser une unité dans le coin pour aller s'occuper de ça. Et c'est absolument Raskuja qui doit atteindre la chambre forte, ok. Et ben on a joué tout ce qu'on pouvait jouer. Donc on passe. J'ai pas pris des techs je crois. Ah, ils approchent. Ils décident de venir nous emmerder. Cela dit, ils se mettent dans un couloir, donc ça peut nous arranger. Voilà, on est un peu mou, hein. Aïe aïe aïe. Ouf. Kaiser qui se venge là, deux unités en moins, ça fait 50% de dégâts plus le coup critique. Ça se passe comment les unités qui meurent Non, les unités qui meurent, elles réapparaissent à la fin de la mission. Il n'y a pas de perte définitive, sauf si tu prends les difficultés, les nouveaux niveaux de difficulté qui font ça, mais. Ouais, la soumise elle est un peu cachée, ouais. Mais on les affaiblit quand même, on a pu en éliminer un. Ici, du coup, bah on va charger, hein. Where am I needed? Le meneur il est devant. Non, pas avec toi, tu fais des attaques de zone, on va faire de l'attaque normale. En mode grosse brute. Bim, voilà. Ils ont tiré. Et maintenant, on leur pète les fesses. Parfait. Bah non, il était protégé derrière les autres. J'espérais pouvoir éliminer la ligne devant avec les attaques de zone avant, mais tant pis. C'est pas grave, hein, il va aussi coincer ses copains. Hein. Du coup, ça veut dire qu'on va envoyer Abigail aider là-bas. Parce que là, on va pouvoir tenir. Maintenant qu'ils sont dans le couloir, ils peuvent pas mettre leurs attaques au corps à corps, il faudra qu'ils reculent avec les archers, etc. Donc il y en a un archer qui peut nous tirer dessus. Pourquoi c'est marqué qu'il peut pas nous atteindre? Il peut nous atteindre lui, hein. Il peut nous tirer dessus, mais ils peuvent avoir unité au corps à corps, unité d'archer, mais c'est tout. Donc ça va mitiger un peu les dégâts. Ici par contre. Il faut qu'on affaiblisse ça. Viser le meneur, non, ça vaut pas le coup. Attaque normale. Ils esquivent pas ceux-là, je pense. C'est pas hostile. Ok. On les a bien diminués. Par contre, là, on est devenu trop mou. Hein. Donc, on va reculer ici. On va faire une petite guérison. Raskuja is to be ready. Et on va envoyer là. Et désarmé. Ah non, c'est l'autre qu'on a désarmé, pas de bol. Mais sérieux, il voulait pas mourir. Non, il voulait pas mourir. Puis on a perdu notre soigneuse, c'est ça qui fait chier surtout. Parce que ça fait quand même des soins gratos les soigneuses quoi. Ok, donc là on est bon, et là-bas on a joué aussi. Je bouge. Ouais, c'est bon. Hop là. Là on a des unités qui font rien, c'est pas cool hein, mais on était forcé de se déployer à gauche donc. Alors là, comme prévu. Le tir, on va le tuer, ensuite il va mettre son unité au corps à corps. Mais c'était complètement gratuit cette attaque. Je pense qu'il va venir avec son corps à corps. Non, il nous affaiblit avec ses archers, bien joué. Le bon choix. Ça pique. Ils sont vraiment très forts, hein. On n'est pas des pions non plus, mais clairement ça fait mal. Hein. Abigail va peut-être devoir revenir du coup. Abigail, t'es à portée. Donc il faut qu'on avance par là.
quitte à ce qu'on perde Diana sur ce flanc, c'est pas grave. Ici ils ont de l'esquive, hein. On va prendre viser le meneur. Ouais, mais on a presque fini un dragon, en plus il est en ligne, on va pouvoir se faire la... Tu attends. My friends are counting on me. On y va là, on va faire une attaque normale. Dragon versus dragon. Ouais, il a soumis le dragon avant de crever. Mais au moins elle est morte. Donc là ils vont être dans le mal là. A paladin Diana. Never surrenders. Est-ce que je te soigne ou est-ce que je l'attaque? Si j'attaque, on a un soin gratuit, hein, ouais, vu ce qu'il leur reste. Est-ce qu'ils veulent se rendre? On n'a pas de soin gratuit quand ils se rendent, mais on a des petits bonus. Alors là-haut, on va avancer par là. On va laisser qui pour gérer le dragon là, parce que c'est une grosse escouade. Hein. On peut laisser personne, ou alors on reste vraiment là quoi. Le jaune, là c'est bloqué par le jaune, donc de toute façon ça va être à Barnabas de s'occuper de ça. Ici on va du coup remonter là, on n'a plus vraiment besoin de nous ici. On va aller activer le rouge au prochain tour, ouvrir là et santé os pourra y aller. Donc le signe il va aller filer un coup de main là, sachant qu'on va ouvrir là, non faut qu'on se débarrasse de ça, ok. Et ici on attend le vert qui est où? Qui est là. Une fois qu'on aura ouvert le jaune, on aura accès au vert, ok. Donc on va faire du guerrier. Stay strong everyone. Hop. Et puis bah on va guérir notre soigneuse. Hein. Et toi bah tu vas progresser. Par là par exemple pour être au taquet, même s'il y a des fusilleurs là qui vont être extrêmement vénères. Ton ton ton. Bon là je pense que Diana elle va se faire défoncer. Oh, il nous a gelé. La saloperie. Ils ont gelé Jean-Charles là. Ok, c'est fait. Ah, maîtrise de classe, il va peut-être pouvoir devenir un grand dragon, Jean-Charles. Non, l'action supplémentaire. Oh, ça passe. Ok, on va leur péter les fesses. Alors, du coup, c'est toi qui vas y aller, parce que c'est toi qui vas le plus vite. Je veux guérir quelqu'un. Je peux guérir le dragon. Et après tu peux encore bouger. C'est parti. Alors là du coup on a ouvert tout ce qui est rouge. Enfin, on peut pas aller assez vite mais on va quand même y aller pour les bloquer. Ici on va charger, on va faire un viser le meneur pour essayer de faire tomber le moral le plus vite possible. Et éviter qu'il nous esquive. Voilà, ça c'est bien. On a un soin. Ok, on encaisse. Bon, il devrait pas nous faire mal. Outre mesure. Peut-être un petit peu là s'il nous réattaque. Mais je pense qu'ils attaqueront Santos la muse. Donc on a ouvert les rouges, donc ici on peut charger. Alors là on a quoi? Il n'y a qu'un mage ici, hein. Par contre on a, il y a deux voleurs et on a la soigneuse derrière, mais je pense que c'est eux qui vont faire le plus mal. On va charger par là. On va neutraliser leurs esquives. Attention ils tirent. Ça pique les fusiliers. 110 de dégâts quoi. J'ai tué un cheval.
c'est... On peut activer. Bah, c'est cool ça, on peut activer direct. Du coup... Ready. On va aller là pour voir si on peut pas tirer un peu les coups. Du coup, là... Ah, par contre, ils peuvent pas sortir. Ou c'est un bug de recalcul. Time to end this. On va pas prendre de risque, on va reculer un peu. On va venir avec Kaiser, ne serait-ce que parce qu'il a le soin. On ira s'occuper de ça, peut-être avec Bradzev, il peut se déplacer très vite, Bradzev. On a joué. Bradzev ou Barnabas, je sais pas. Encore. Ben Barnabas, on va voir, parce qu'il va quand même bien manger là. Ouais. Putain, la vache quoi. Je crois que c'est la première fois que je le vois tomber. Bah, son escouade va peut-être crever du coup, parce qu'avec le mage derrière là... Oh, si en plus ils font des critiques... Ouais, elle est en train de se rendre elle. Hein. Elle est brisée de chez brisée. Ouais, ça me semblait bizarre, ils allaient attaquer. Ah, je crois qu'on perd si lui il est vaincu. Et c'est la défaite. Ok, donc ça veut dire que ces missions, faut vraiment les faire à la fin, quoi. Je voulais voir si la mission 2 était plus légite, mais... C'est pas beaucoup plus légite. Ah bah du coup, on va aller faire nos technologies. Alors, qu'est-ce qu'on veut viser? Les nouveaux conscrits commencent avec la maîtrise de toutes les classes. Ouais... Un traitement beaucoup plus efficace de on ne sait pas quoi, dommage. On pourrait avoir plus d'artefacts, 25 PV pour la cavalerie lourde et l'infanterie lourde. Et en plus on débloque des technologies d'armes à feu. Non, on va faire ça. On va aller chercher un peu les armes à feu. Les fusils et l'artillerie ne sont plus affectés par la météo. Les attaques d'artillerie ont un rayon d'éclaboussure et infligent des dégâts accrus. Ça c'est bien ça. Les médecins, prêtresses, templiers et soigneurs subissent 25% de dégâts en moins en présence d'un paladin, d'une valkyrie, d'un exemplaire ou d'un titan. Ils reçoivent un bonus supplémentaire à la résistance à la magie. Ouais. Ouais, des artefacts exotiques, pourquoi pas. Je peux débloquer ça? Ah, je peux débloquer ça parce que j'ai mis des points ici, ça me débloque les trucs d'après. Ah, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a du coup? Les attaques de souffle du magicien et du guéragon ignorent 25% de la résistance, pas mal. Une chance accrue d'être infligée. Les sorts qui ont un tour de charge peuvent maintenant être lancés en premier tour de bataille. Ouh, c'est fort ça. On va prendre ça. Carrément. Donc là, c'est pour le flanquement. Les artilleurs ont désormais un type de mouvement de cavalerie légère. Ok. Toutes les classes de tir à l'arc sont désormais de type léger, ce qui constitue un avantage considérable en termes de mobilité et d'embuscade, j'avoue. Ok, on pourrait avoir des tactiques spéciales en plus, agressif et prudent, ouais. C'est quoi? Toutes les unités gagnent la maîtrise de classe 15% plus rapidement. Ah, c'est pas mal, hein. Toutes les classes de magicien et de soutien sont désormais de type normal et non plus lent. La puissance des attaques des magiciens diminue plus lentement lorsqu'elles sont utilisées consécutivement. Ok, on va aller chercher cette branche. Ce truc-là est sympa, mais pas dingue. Et du coup, on va aller chercher ça, parce que du coup, on va pouvoir monter plus vite nos unités de niveau grâce à ça. Là on est d'accord que les trucs qui ont été gagnés c'est perdu hein, globalement. Y'a personne qui a sa maîtrise de classe à fond. Toi t'avais gagné ta maîtrise de classe à fond. Ouais non. T'en es encore loin. Ok. Bon bah on va se lancer alors. C'est parti. Oui ça fait 49 minutes d'épisode mais on va pas s'arrêter sur une défaite. Salle du trône, palais impérial de la capitale. C'est le méchant! C'est le méchant, les méchants, les méchants. Vous regardez le trône comme si vous ne pourriez jamais vous asseoir dessus, comme s'il vous fallait la permission du temple. Cela ne saurait tarder, mais je n'ose pas. Pour vous, ce que le trône représente peut paraître trivial, mais pour moi, c'est l'œuvre d'une vie.
Le temple me confirmera et personne ne questionnera mon règne. C'est pas gagné, hein. Comme vous le voulez, mais nous trouverons toujours un moyen. On m'a rapporté que l'imposteur est arrivé au monastère de Lemlin. Vous avez une justification pour agir de nouveau. L'orphelin et les paladins seront alors complètement annihilés et le temple pliera le genou. Nous inquiétons du fait que vous ne preniez pas le sujet de la guerre au sérieux, Premier ministre. Les guerriers du temple nous ont barré la route à maintes reprises. Vous devez faire preuve d'une force sans précédent, faute de quoi nous pourrions perdre. Qu'est-ce qui peut bien vous inquiéter autant? Le général Lysandre, l'un de nos meilleurs stratèges, commandera les troupes. Nous mobiliserons également nos escadrons de fusiliers. On est maintenant assez d'avoir à me justifier devant vous. Allez-vous-en! Bonne chance pour les batailles à venir, Premier ministre. Une capuche sans tête! Une capuche sans tête. Alors, sanctuaire. Ah oui! L'ennemi nous attend au monastère de Lemlin. Nous allons écraser le temple pour avoir soutenu les ennemis de l'Empire de Viridia. Général Lysandre, ne me décevez pas. C'est lui qui est venu nous voir en demandant de nous méfier. Vous pouvez compter sur moi. L'Empire veut envahir le monastère. Impardonnable. Grand paladin, le gouvernement ne nous veut peut-être pas de mal. Retenez vos coups, soldats. comment te dire? Le Premier ministre n'a eu de cesse de trouver une excuse pour nous détruire et voilà qu'on lui en donne une. Je suis navré. Je vais m'en aller maintenant. Et cette excuse, c'est moi, n'est-ce pas, Diana? Les éléments allaient forcément prendre une telle tournure. Nous sommes bien plus puissants par notre esprit tactique, alors Donnar nous a donné cette bénédiction. Au moins, nous savons à quoi nous faisons face. Plus de mercenaires, cette fois c'est l'armée principale. Ils ont plus de troupes et probablement quelques fusillés dans la masse. Il ne faut pas prendre les tirailleurs à la légère. Toute armure est presque inutile face à eux. On l'a vu. Alors, on a des avant-postes près de la rivière. Nous devrions fortifier la rivière pour protéger le monastère de toute violence. Ces forces sont plus proches de l'armée de Casimir que nous, mais ça peut valoir le coup. Il serait temps d'adresser une prière à Donnar. Ouh, on peut déployer 12 trucs. J'ai bien fait de faire une escouade de plus. Donc l'objectif, ça serait d'aller tanker ici, ok. Et potentiellement par là. Alors, ça veut dire que sur le côté, là, on va envoyer Sibyl et Kaiser. Non, Paralchuka, Kaiser, voilà. Les lanciers pour aller par là, s'occuper de la cavalerie. S'il y a du mec un peu vénère dans le coin, quand même. Le signe, il est là. On va aller chercher ça assez vite. Probablement avec Bradzev. On va aussi mettre Jules et le... Général Bison assez plutôt devant pour pouvoir aller chercher rapidement ça. Ici on va mettre Diana. Il y a un truc à aller prendre en bas aussi, un port Herald. Je pense que ça va être un travail pour Broudaf et son unité toute neuve. Barnabas ici, on va mettre Stéphane là. Narima pas trop loin de Jules, Abigail. Et on a déployé 12 personnes, ok parfait. J'ai pas déployé Santos. Ouais, mais il faut qu'il monte un peu de niveau Broudaf, donc on va y aller comme ça je pense. Allez, c'est parti. Commencer la mission. J'ai pas regardé les objectifs, on les regardait vite fait. Information sur la mission. Défendez le monastère pendant 15 tours, emparez-vous de la forteresse, ok. Faut pas que l'ennemi capture le monastère. Mission de défi. Lysandre n'est pas vaincu. Ah, faut pas vaincre Lysandre, d'accord. Aucune escouade ennemie n'attaque le monastère, pas plus de 4 escouades d'Isanter sont vaincues. Les escouades d'Isanter, c'est un problème de traduction pour Lysandre ou... Lysandre. Il y a un truc à 12 ici. Et là, Lysandre, d'accord. Donc s'ils bougent pas, on pourra éventuellement les esquiver en passant par là. Mais pas plus de 4 escouades vaincues. Sachant qu'on a 7 escouades cibles à neutraliser. Ouais, bon, bah... Il y en a qui ont des étoiles et d'autres. Ouais, les étoiles, c'est les fameuses, c'est les escouades cibles, justement. Celles qui sont les objectifs, là. Après, ça, c'est les missions de défi, hein, c'est pas grave. Hein. Là, il y a un bazar, faut qu'on aille le chercher, de toute façon. Donc, on y va. Ça c'est un temple de Donnar, donc on pourra éventuellement ressusciter des trucs si on veut. J'avais pas vu, il y avait un truc à capturer là-haut.
on capture. Et on peut progresser de manière assez importante. Donc on a cette fois pour nous les murs. Hein. We will always find a way. C'est parti Jules, tu prends la route. A paladin never surrenders. Diana, tu vas avec lui. Time to even the odds. Pareil pour le général Bison. Ça c'est des archers donc ils vont être très bien placés là. School is in session. Broudaf, tu descends par là. Tu vas aller chercher ça et probablement les coffres. My friends are counting on me. Il va nous falloir un peu plus de monde, hein, je pense là. Il y a quand même beaucoup de gens. I must stay strong. Le signe, tu vas par là. Tu vas par ici. Et on est parti. Alors voyons s'ils prennent l'initiative ou s'il faut qu'on rentre dans leur zone de combat. Ils avancent. Très bien. Que avec les fusiliers. Ça c'est intéressant. Du coup on pourrait courir mais on est trop loin. Toi tu pourrais charger mais par contre tu vas te prendre 4 attaques. Ah non il nous touche pas là. Pour l'instant il nous touche pas donc on va sans doute avancer. En gros faut qu'on avance là. Stay strong everyone. Donar be with us. 3 fusiliers, ça fait quand même 3 fois 110 de dégâts. Ça peut être du côté, before hein. The righteous. La route là elle est safe. La route est where safe. Am I needed? I can do this. Toi tu vas guide my à côté attack. De Jules comme d'hab. You got a plan? Toi t'avances un petit peu mais pas trop pour pouvoir charger après. Alors là, la cavalerie est très lente dans la forêt. Hein. Donc ils vont jusque là. Pardon? Oui j'ai des trucs à... Ah oui là, tu veux dire? Here comes Sybil, ready or not. Non, je sais pas là que tu veux. They'll notice this one for sure. Toi t'es une infanterie légère, tu vas charger là-haut. En plus t'es pas hyper optimal contre la cavalerie donc... C'est très bien. Le signe tu cours, est-ce que tu traînes un peu? Alors ici on pourrait lancer un assaut... Genre je viens là... Mais ils vont riposter là, j'imagine. On va tenter, on va voir. Tâter un peu le terrain, on est sur notre mur. On a éliminé le leader, c'est cool. Ah, il riposte pas. Voilà qui est extrêmement intéressant. Ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, toi, tu progresses. Ah, putain, il vient. Bah écoute, mec... je vais te buter, hein. Je suis désolé, mais... il n'y a pas moyen, hein. Ok, on va pouvoir rentrer dans le tas. Parfait. Il a pris la colline, lui. Qu'est-ce qui se passe? Broudaf. Nous y voilà, hommes disanteurs. Ah, d'accord, c'est ça, disanteurs. C'est là notre chance de résister face à la tyrannie du gouvernement central. Nous ne saurons tolérer de telles manœuvres de la part du Premier ministre. Ah mais oui, c'est le duc qui a élevé l'impératrice. Attaquer l'armée impériale et fortifier le temple. Isanter est là. Alors est-ce que je les maîtrise? Vous savez ce que vous avez à faire. Le temple ne tombera pas aujourd'hui. Nous joignons Isanter afin de faire ployer le Premier ministre. Ah d'accord, il nous rejoint en fait. Qu'est-ce que cela signifie? C'est l'armée du duc Lothaire et le général Lysandre a déserté. Excellent timing. D'accord. Quelle fourberie. Dans le tas. Ok, donc bah du coup t'es un petit peu dans la mouise. Du coup on le contrôle. Par contre Ah on les contrôle aussi? Non, on les contrôle pas. Battle formations. On te contrôle, on va te reculer. Non,
Ok, donc retourne contrôle. Du coup, bah, Kaiser, Brudaf, fais ton taf. Oh, on capture ça. Ok, d'un seul coup, ça devient un petit peu plus mieux. Il y a quand même plein de gadal. Ouais. On est trop loin là. Tu forêt. Donc on va se mettre là parce que du coup, on peut faire une embuscade. Ça n'a pas marché, dommage. Allez, faut les diminuer là parce que on va devoir encaisser beaucoup d'attaques. Il y a quand même 4 cavaleries. Here comes Sybil. Ready or not. Tu vas capturer ça. Alors s'il charge le signe, je suis pas trop inquiet. Il est quand même assez énervé. Kaiser, il pourra peut-être pas résister à 4 charges, hein. On va voir. Alors maintenant ici. What's our next tactic? Toi tu peux venir là, ou alors tu peux tenir. Non, il y a deux trucs, tu peux pas tenir. A paladin never surrenders. Il faudrait tenir, il y a quoi là? Du centurion, du lancier, pas mal d'archers. Awaiting your orders. Et on a quand même toutes les unités de fusiliers là à se débarrasser. I await your command. Est-ce qu'ils se rendent? Ils se rendent, parfait. Ça fait un petit peu de niveau. Du coup, ça veut dire qu'on peut prendre ça pour attaquer de loin. Ici, par exemple. Pas mal. Là, on peut pas aller attaquer là, mais on aura sans doute moyen de le faire si on se débarrasse d'eux. On charge. Enfin, c'est pas une charge, on n'a pas fait assez. Mais... Oui, d'ailleurs, je suis con, j'ai même pas regardé son escouade. Mais non, il a même pas de cavalerie, lui. Oh, il soigne, nice. Il soigne tout le monde. Ah, il est sympa son escouade à lui. Ok, très bien. Ça, c'est propre. Lui, j'ai pas envie de lui donner l'initiative. Donc on va les taper. Oh, c'est pas mal de pouvoir attaquer dès le début. Hein. On a buté le leader. Ça c'est bien. Maintenant, il faut se débarrasser du reste. School is in session. Chargé avec la cavalerie. Une attaque normale. Ah non, ils sont morts. Eux, ils sont brisés, donc on n'aura pas besoin de faire ça. On peut charger. Ouais, ils sont brisés. Du coup, ça veut dire que on a 3 unités. Et ce serait probablement bien que toi tu te déplaces de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu pourrais attaquer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on dégage le chemin, il devrait pouvoir attaquer. Donc du coup, on charge là. On va faire un attaquer le meneur pour être sûr. Attention, pique. Voilà, parfait. Ils ont dégagé du chemin. Tu peux rebouger. Ouais, y a trop de lanciers là. Et tu vas prendre ça, je pense, quand même. Ensuite. Toi, tu vas là. Tu lui fais se rendre. Voilà. Toi du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, est-ce que j'y vais avec toi? Je vais plutôt assurer, je suis pas sûr que General Bison il pourra se déplacer assez loin. Donc on va utiliser lui pour le faire se rendre et on va utiliser Bradzef pour l'attaque. Alors juste avant, on va regarder les mouvements.
Ok, ils peuvent venir, donc il faudra qu'on recule avec avec Bratzev. Allez, c'est parti. Ouh, l'esquive. Pas cool. Peut-être dû charger. Mais je pourrais me replier moins loin si je chargeais. Je me replie là, je me replie là. Ok, bon, sur ce flanc c'est fait. Sur ce flanc c'est fait, il reste. Ici on s'est bougé aussi. Bon, et bah du coup, en avant. Alors eux, il va falloir faire en sorte qu'ils ne meurent pas, mais on les contrôle pas. Ici il nous charge, ça l'amuse. Oh, le 8 de dégâts. Tant de violence. C'est cool parce qu'il est pas mort, donc du coup ils vont garder l'emplacement. Ça va empêcher d'autres personnes de venir. Et que Diana qui va potentiellement souffrir un peu. Oh la vache, ils se focusent tous sur elle, les salauds. Ouais, encore heureux qu'il y a un peu de soin. Donc elle va se prendre deux attaques encore, les tireurs et l'autre unité de corps à corps. Ouais, elle peut souffrir hein. Ah bah non, pas. Ok, parfait, le tireur il vient là. C'est plutôt le meilleur truc qui pouvait nous arriver ça. Alors là par contre, oh en plus ils font des coups critiques. Ah, il y a un chevalier qui traverse la ligne. Deux soigneurs. Purée, il va falloir y mettre les moyens là. Alors elle peut soigner quand il y a quelqu'un qui a moins de 50% de PV. Au lieu d'attaquer, elle peut soigner. Ah, Kaiser il commence à être vraiment costaud, on avait vraiment une bonne ligne de défense. Il manque peut-être un peu de DPS, mais bon c'est comme du chevalier en face. Allez, un dernier, c'est une escouade avec des étoiles. Ça va. Ouais, notre vie a baissé, mais on s'en sort quand même très très bien. Maintenant, on va pouvoir aller mettre des fessées. They'll notice this one for sure. Alors, regardez d'abord leur morale, bonbon et secoué. Okay. I'm just getting started. Toi, tu peux atteindre quelqu'un, toujours pas le signe. Ce qui veut dire qu'il y en a forcément un qui va survivre, on va faire en sorte que ce soit lui. Here comes Sybil, ready or not. Ok, on y va sur la petite montagne. Ah, ils sont nombreux, mais on a du lancier, ce qui est quand même le plus efficace contre eux. Ok, Kaiser devrait pouvoir les finir. Ils sont secoués. Est-ce que toi tu peux venir jusqu'ici? Non, tu peux pas venir jusqu'ici. J'ai au pire un petit. Il y a moyen de faire un petit soin sur ça de prix. Une reddition, ils sont secoués. Ils ont des bonnes chances de se rendre parce qu'on a quand même 6500 de force avec Kaiser. Ok, bon, il en reste deux. Sachant que là, ils ont un peu de force de frappe, mais c'est plus que deux soigneurs. Et là, c'est rien du tout. Ok, donc c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Faut faire un peu attention à eux, mais c'est pas si mal. Ici, Brodaf. Attends, si tu le prends, les objectifs, c'est quoi? Les objectifs, c'est de prendre la forteresse de Westerfield, hein, c'est tout là-bas. Hein. Non, encore, sinon ça serait abusé. T'envoies une cavalerie là en deux tours et t'as gagné la mission, hein. Ça serait abusé. Alors, ici, on a du travail. Lui peut se rendre. The army is ready. Diana a pas pris si cher au final. How can I help, my lord?
On peut aller les affaiblir un peu. C'est parti. Quand même pas besoin de d'affaiblir le meneur là. On va les mitrailler tout simplement. Encore que ça aurait pu être pas mal de le faire tomber. Le moral ça aurait été beaucoup plus facile à nettoyer. Alors toi tu peux te rendre. Rends-toi. My friends are counting on me. Ici on a un petit peu décimé cette unité. Enfin décimé, il faut des dégâts partagés avec les dragons. Bébé dragon, il est pas encore plus grand. Non, Jean-Charles il est encore petit. Ouh, il y a un coup critique là. Deux coups critiques. Ouh, ça pique. Ça, ça fait chier ça. Deux coups critiques, c'est pas cool. Du coup, on coince un peu le chemin. Repent before the righteous. Est-ce qu'on peut le forcer à se rendre? Non. Donc c'est parti, il faut qu'on fasse tomber la ligne devant là. On a tué le leader déjà. Ça c'est plutôt bien. Ah, on n'a pas réussi à le tuer. Ah si, peut-être là. Oh oui, l'action supplémentaire. GG. Du coup, ça va faire un trou dans lequel on va pouvoir poser une unité. Alors là, on charge avec lui. Ouais, c'est pas une bonne idée. Hein. On charge avec toi. C'est parti. Pour la sirène des armées, c'est cool. Ok, le meneur est tombé. Gros DPS en moins aussi, même si on a quand même pas mal souffert. Alors où est-ce qu'on peut... Ouais, on a plus trop de possibilités. Ah mais eux, j'avais pas vu, mais ils peuvent passer par la forêt là. Battle formations. Ouais, on a pas trop de choix là. Et commencer à avancer par là, ça me paraît chaud quand même. Encore que, on pourrait commencer à aggro ça. Est-ce qu'on a des guerriers intéressants? Ouais, éventuellement on aura un guerrier intéressant là, mais... What's our next tactic? Awaiting your orders. Allez, toi tu viens devant. Ok. Ici, le général Bison il risque de prendre un peu cher. Il préfère passer par là. Logique qu'ils vont plus vite. Hein. J'ai même pas trop regardé c'était quoi leur escouade. Bon bah ça me va. S'ils tapent sur elle, franchement. Elle s'est réquisitionnée toute seule. Oui, les soigneurs, comme ils peuvent pas faire de dégâts quand ils se retrouvent tout seuls, ils seront. Bah, c'est vrai que je lui ai mis le truc qui fait qu'elle aggro les ennemis hein, et que c'est elle du coup qui se fait attaquer. Mine de rien, ça joue hein. C'est vrai que ça c'est franchement pas dégueu en fait. Ce petit taunt là. Ouais, ils se guérissent, mais ils se guérissent qu'une fois. Nous on attaque deux fois avec nos lances. Bien joué! Très très bien joué! À tout désespoir, ok. Ah, et là ils viennent, très bien. J'aurais préféré les bloquer dans le goulot d'étranglement, mais bon, on a un fort, on a une forêt. Il va y avoir moyen de faire des trucs.
Alors, toi, tu peux enfin attaquer quelqu'un. Bon, tu peux au moins te débarrasser d'eux, là. Est-ce qu'ils veulent bien se rendre? Non, ils veulent pas se rendre. Bah, du coup, on va vous péter les fesses. Voilà. Alors, on a des apprentis qui gagnent de la maîtrise de classe. On va peut-être pouvoir bientôt les faire monter de niveau. Ça, c'est cool. I love this part. Stéphane, t'es un petit peu loin encore, mais tu vas progresser dans la forêt. Kaiser, t'es pas très très bien. Est-ce qu'on resterait pas un petit peu en mode défense dans la forêt, en te soignant? Là, y'a quoi? Un petit peu de tireur, un petit peu de magie, beaucoup de tireur ici. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va soigner notre ligne de front ici qui a quand même plutôt souffert. Toi, c'est pareil. Tu vas te replier là. Soigner la ligne de front là. On va tenir avec le signe et Stéphane qui sont complètement frais. Bon, même si Stéphane, c'est... sa ligne de front est pas fantastique. Ici, du coup, il n'y a plus rien. On va pouvoir se faufiler dans leur dos si on veut. Alors, Général Bison, il va bouger d'abord. C'est vrai que notre soigneur peut aller jusqu'ici. Tu vas aller jusque là. Hop, un petit guérir sur lui. Toi, t'as deux guérir normalement. Donc un là et un là. Parfait. Stay strong, everyone. Là, on est dans une zone d'attaque là, non. Time to end this. On peut venir jusqu'ici. Est-ce qu'on a d'autres choses à guérir? Pas vraiment. Ah, on pourrait guérir là. How can I help? Viens plutôt là. C'est vrai qu'elle a un petit peu souffert. Elle a perdu sa ligne de front. Elle a un peu lèche sa ligne de front. Time to even the odds. Go. Alors là, par contre, il va falloir un peu qu'on affaiblisse tout ça. Toi, t'as pas de la cavalerie, hein. Tu peux faire tomber des unités lourdes ou même du lancier. Tu pourrais venir là. Viser le meneur. Ouais, un viser le meneur, ça me ferait pas mal, ça. Voilà, le meneur, il est tombé. Ok, un deuxième soin ou pas? La ligne de front va pas tenir oufissimement longtemps. Mais c'est quand même pas mal. Ici, on va essayer de te faire tomber cela avec viser le meneur pour éviter les esquives. Ok, le meneur est tombé, parfait, le moral se casse la tronche. Non, on n'a pas réussi à faire tomber lui, c'est dommage. Bon, ils ont pas de soins, mais c'est quand même dommage. On est dans la zone de combat là. Non, pas trop, ça va, on est juste à portée. Tu vas rester là. Et là, est-ce qu'on les affaiblit ou est-ce qu'on est fini? Non, on a pas besoin d'esquive là, on a besoin de dégâts. Allez, c'est parti. Sachant qu'en vrai, l'esclavote de Brazev, elle est capable de charger hein, au combat, mais pas face à ça, je pense. On va se mettre là. Ouais, j'ai pas joué Broubrou. Je regardais là, mais Broubrou, il faut qu'il aille chercher son petit coffre. Toute petite pâte, Broubrou. Eh ouais, il fait cataclope comme il peut. Pour l'instant, on les protège bien, eux, ils vont arriver un peu plus dans la merde là. Non, peut-être encore un tour avant qu'ils soient vraiment exposés. Alors, on va faire cette phase ennemie et après, je pense qu'on arrêtera l'épisode de VOD. Ouf, ouais.
beaucoup trop léger pour ça. J'avais un peu peur avec Stéphane, mais il aurait été bon en attaque parce qu'on aurait pu aller sniper les trucs derrière. Mais contre les unités avec des armures, c'est beaucoup trop léger. Dommage. Il va se prendre une deuxième attaque au moins. Ah, il va tomber là. À moins qu'il ait un énorme coup de cul sur ses esquives. Ouais, je suis pas fan hein, des escouades comme ça de très légères. C'est pour ça que j'avais mis des mecs devant pour protéger, mais il faut qu'ils montent de niveau pour pouvoir être efficaces. Bien joué l'attaque magique là. C'est pile sur la bonne personne. Ils aiment pas du tout ça eux. Bon bah un tir pour les finir eux. Cool esquive, bien joué. On va peut-être être un petit peu léger en haut. On a des bonnes escouades hein, mais ça va peut-être être un petit peu juste. Un peu péter les fesses là. ...303 PV et là John Peace. D'accord, donc il cible les vers en priorité, donc il va vraiment falloir qu'on file un coup de main quoi. J'aurais peut-être dû passer par en haut avec avec eux du coup. Ok, alors du coup on va arrêter l'épisode de VOD sur ce tour là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.